Nouvelle polémique autour de Meghan Markle. Et cette fois-ci ce n'est pas de la part de la famille royale que les attaques pleuvent mais bien d'une voix très importante en Grande-Bretagne, celle de Lady Colin Campbell. En effet, cet auteur est une personnalité mondaine bien connue des Britanniques. Alors quand celle que l'on qualifie de plus grande commère de l'aristocratie anglaise donne un jugement sur une personnalité, son avis est écouté. Malheureusement pour l'épouse du prince Harry, les mots de Colin Campbell sont très durs à son égard. En effet, selon le Sunday Express, l'écrivaine aurait tout simplement qualifié Meghan Markle comme étant une femme complètement ingérable et incontrôlable. La raison? Selon la biographe, la maman d'Archie et de Lilibet aurait à plusieurs reprises contrarié de nombreux membres de la famille royale, car elle refusait de se plier à leurs règles. Des nouvelles déclarations qui mettent bien évidemment le feu aux poudres, surtout depuis que deux écrivains ont indiqué que le prince Harry et son épouse auraient envisagé de dévoiler l'identité de la personne qui aurait tenu des propos racistes envers leur fils, Archie. Le bouffon de la cour, mais ce n'est pas la première fois que Lady Campbell s'en prend à Meghan Markle. En effet, le 7 août dernier, elle dézinguait la vidéo d'anniversaire de l'ancienne actrice dans laquelle elle demandait à ses proches de prendre du temps pour les femmes dans le besoin. Sur les images, on peut également voir le prince Harry en train de jongler avec un ballon de foot. Un passage intolérable pour la biographe britannique, pouvez-vous imaginer à quel point il est avilissant pour un prince du Royaume-Uni, de jongler avec des balles? Tout est manigancé pour humilier Harry et il est trop stupide pour le voir, scandait-elle, comparant le fils de Lady Di au bouffon de la cour.